Il faut des ciseaux. Oh, ils sont où? C'est bon, merci. Merci l'assistant. Alors, petite explication rapide, je n'ai pas fait moitié-moitié, donc ici il y a quelques négatifs, il n'y en a pas beaucoup, et ici du coup il y a un peu plus de pellicule. J'ai décidé de faire le plus gros morceau de pellicule dans du fixateur au sel et le plus petit morceau dans du fixateur classique. Voilà. Plus 14 là je crois, 14 ou 15. Alors, petit update, ça fait 24 heures, du coup, même 36 heures maintenant que le fixateur est en train de travailler sur ma pellicule. Il faut savoir que la pellicule n'est pas transparente. Vous le verrez, je vous montrerai dans les images. La pellicule est vraiment pas transparente, ça m'a un petit peu dégoûtée. Je vous avouerai, là, c'est une pellicule qui est périmée. C'est mon deuxième, voire... Non, c'est même mon troisième essai. Et sur un essai d'une pellicule non périmée, ça avait fonctionné. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi, quand j'ai fait mon test avec une amorce, j'ai utilisé exactement les mêmes produits, exactement les mêmes temps, et mon amorce, elle était transparente. Est-ce que c'est le fait de l'avoir révélée? Parce que l'amorce, je ne l'avais pas révélée. J'avais simplement plongé la pellicule... le morceau de pellicule dans le sel directement,
Est-ce que du coup ça joue? Est-ce que le fait de l'avoir révélé, ça va lui demander encore plus de travail pour faire la fixation? Je n'arrête pas de me poser des questions, je me prends vraiment vraiment bien la tête. Du coup là ce matin, donc là ça fait à peu près, je dirais 36 heures que la pellicule est dans le fixateur. Je veux pas tout de suite lâcher l'affaire, donc j'ai commencé à essayer de refaire des recherches. Il y a quelque chose qui s'est révélé à moi dans mes recherches et qui me paraît évident maintenant, c'est que la recette que Brendan a donnée, c'est pour du papier photo. Le papier photo, même sur mon fixateur à moi, sur le Fomafix par exemple, il conseille de fixer le papier de 3 à 5 minutes. Et pour fixer un film, il conseille de mettre 10 minutes dans le bain de fixateur. Donc je suis en train de me demander si justement il faudrait pas rallonger le temps 3 fois plus long. Parce que pour aller de 3 à 10 minutes, on rajoute 3 fois de temps. On va essayer. On va essayer simplement. J'ai regardé aussi, je suis tombée sur quelques vidéos que je vous mettrai en lien dans la description. Je suis tombée sur quelques vidéos d'autres personnes qui ont expérimenté le fixateur maison. Et leurs vidéos, y en a un clairement, il foire comme moi et ça donne exactement le même résultat. Et à la fin, il n'a pas envie de se prendre la tête, il le fixe de manière chimique pour rattraper pour récupérer son film. Donc moi, je vais attendre un peu, quitte à perdre mes images, parce que je vous avouerai que quand j'ai ouvert à 24 heures, j'avais ouvert en plein jour. Là, je vous ai montré à la lumière inactinique, mais même la lumière inactinique, normalement, il ne faut pas. Sinon, oui, je suis tombée dans les commentaires de cette vidéo-là. Il y a un monsieur qui apparemment fixe, mais avec un bain chauffé. Un bain chauffé à 40 degrés. Je pense qu'on essaiera aussi cette technique-là. On essaiera le bain chauffé à 40 degrés et lui, il fixe ça pendant 3 heures avec son bain chauffé. Donc pourquoi pas? On tentera, je pense. Et en attendant, là, on va essayer de faire du coup 3 jours. On va faire 72 heures dans ce bain-là. Et le questionnement aussi que j'ai, c'est est-ce qu'il faut du sel iodé? Est-ce qu'il faut du sel normal? Est-ce que ça joue? Est-ce que ça change les choses? Peut-être qu'on testera aussi une fois avec du sel pas iodé, du sel normal. Mais ça prend la tête, hein, vraiment. Vraiment, vraiment. Il y a autre chose que je voulais vous dire, mais je ne me souviens plus. Je crois que je vous ai tout dit. Bref, on se retrouve un peu plus tard pour la suite des aventures. Je ne désespère pas. J'essaie de garder espoir et puis on va voir.